plant them in your heart. And this is the word of the Lord. What is your use around me? Quelle est ton utilité autour de moi? Sir, I'm telling you, there are some people around you that are strategically placed by the devil to bring you down. Il y a certaines personnes qui t'entourent qui sont placées là-bas par le diable. You were doing well until you met that guy. Tu étais si bien jusqu'à ce que tu rentres que ce. You were focused until you met somebody. Tu étais focalisé jusqu'à ce que tu as rencontré quelqu'un. You were so motivated until you met somebody. Tu étais si motivé jusqu'à ce que tu as rencontré quelqu'un. And that person became your distraction. Et cette personne est devenue une distraction pour toi. That person became the stumbling block of your life. Cette personne est devenue une chute pour ta vie. Oh, you were burning in the spirit until you met that guy. Tu étais si bouillant dans l'esprit jusqu'à ce que tu as rencontré God ce could speak to you until you met that person. On pouvait te parler jusqu'à ce que tu as rencontré cette personne. So you were burning in the Lord until you met that girl. Tu étais si ordonné jusqu'à ce que tu as rencontré ce gars. You were doing evangelism until you had a friendship with that group of people. Tu évangélisais jusqu'à ce que tu as rencontré ce groupe de personnes. What is your use around me? Quelle est ton utilité autour de moi? People used to see God in you. Les gens pouvaient voir Dieu en toi. You used to be such an encouragement. Tu pouvais être une source de You used to be such a blessing. Tu étais une source de bénédiction. When the church is like, if you enter, everybody say, wow. L'église était d'une façon dont tu entres tout le monde. Till the day you met that person. Jusqu'à ce que tu as rencontré cette personne. Your life became a shadow of yourself. Ta vie est devenue sombre. And guess what? You have explanation for it. Et tu as toutes les explications pour cela. You must find a way to hang it on something that is done. Tu trouves des façons pour t'accrocher sur quelque chose qui a été fait. What is your use around me? Quelle est ton utilité autour de moi? Not all relationships are godly. Pas toutes les relations viennent de Dieu. Because in a great house. Parce que dans une grande maison. There are vessels of gold. Il y a des vases de or. And there are vessels of silver. Et il y a des vases de There d'argent. Are vessels of earth. Il y a des vases de. And there are vessels of wood. Il y a des vases. Some de of honor. Il y a d'autres pour l'honneur. And some of dishonor. Et il y a d'autres pour le déshonneur. Let me explain. Laisse-moi expliquer. Your life is a container. Ta vie est une vase. An empty container. Une vase vide. What you let in. Ce que tu laisses entrer. Depends on you. Dépend de toi. You can be among people. Tu peux être entouré. And you decide not to be like them. Mais tu décides de ne pas être So you don't let what they do get in you. Donc tu ne laisses pas ce qu'ils font entrer en toi. And then you'll be different. Et c'est jusqu'à ce point que tu seras différent. You hear somebody say he's different. Tu laisses quelqu'un dire qu'il est différent. She's different. Elle est différente. Because something that was supposed to jump in him did not. Parce que ce qui était censé entrer en toi, Brothers, n'est pas permis. The people that you interact with will determine what jump into you. Bien-aimés, les gens que tu t'entoures dépendra de ce que tu laisseras entrer en toi. I know sisters that could pray like machines. Je sais quelqu'un qui pouvait prier. The day they allowed that guy came close to them. Le jour qu'ils ont laissé ce gars Prayer becomes a burden. La prière devient fardeau. I know people who could clean the church. Je sais des gens qui pouvaient nettoyer the l'église. The day they met that boy. Le jour où ils ont rencontré ce gars. They started telling him. Ils ont commencé Are you the only one in that church? Est-ce que tu es la seule personne dans cette église? Then they started coming to church when they like. Ils ont commencé à venir à l'église quand And if you are
sont des raisons qui peuvent justifier. What is your use around me? Quelle est ton utilité autour de moi? Because if my relationship with you tampered with my work with God. Parce que si ma relation avec toi affecte ma relation avec Dieu. You are agent of darkness to my life. Tu es un royaume de ténèbres dans ma vie. What is your use around me? Quelle est ton utilité autour de moi? I listened to Papa Joseph Suleiman. J'ai écouté l'apôtre Suleiman. He said there was this young guy.